ni Mecha. Est-ce que c'est pas la strat Pyramoli? Là, je sors. De toute façon, je suis au plus bas, je viens de faire un top 8. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Let's go, hein. Ça, c'est ce qu'on voulait. Mais aller chercher un 6 avec Maiev, ça peut être ok, mais sur des timings un peu plus tôt. Là, mine de rien, en fait, mon trip, je l'ai récupéré, c'était pas si tôt que ça. Donc ouais, j'aurais pas dû grid. Je me suis un peu senti pousser des ailes. Est-ce que je prends juste ça? Parce qu'on prend quand même le taunt. Je pense que je prends ça. J'aimerais bien le récupérer en doré, lui. Je pense qu'il faut qu'on roll de manière à en toucher d'autres. Comme ça, je mets. J'ai les deux qui sont ensemble aussi. Parce que le problème, c'est que là, je veux rien poser à côté parce que j'ai envie de booster que lui. Donc, ouais, il faut qu'on reste taverne 1 un petit peu. De manière à en récupérer d'autres. Ouais. Faut juste que j'avise ce qu'on fait au prochain tour. En soi, sur le long terme, ce sera ok. C'est juste que là, on risque de perdre le combat immédiatement. Mais on a de l'armure, ça sert à ça. Faut juste, ouais, là que j'arrive à déterminer. Est-ce que je roll pour aller forcer un deuxième entourlooper? Ou est-ce que on passe quand même la taverne 2, into la taverne. Le problème, c'est que du coup, je vais être très faible. Parce que là, si je passe la 2, c'est pour repasser la 3 derrière. J'aimerais vraiment le trouver, ce. Ah. Ah. C'est pas mal ça en vrai. Ok. Je pense pas les poser. Ah. Ouais, mais ça changera pas grand chose. Que. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je pense que ça devrait être suffisant. En tout cas, ça sert à rien de mettre eux à côté parce que lui mourra après eux, quoi qu'il advienne. Je pense pas que ce soit très utile. Prochain tour, j'aimerais bien à nouveau faire un double achat. Quitte à faire un roll, hein, j'ai un roll de possible. Est-ce que, en vrai, c'est ok de freeze ça? Ouais, je pense. Étonné qu'il est seul. Ah, on perd. Ah ouais, mais attends. C'est abusé d'avoir eu ça. Jamais il a une aussi grosse créature normalement. Bah il m'a bien calmé lui.
Oh, Woot. On va chercher un 3. Genre un prochain tour, on up. Réfléchir à ce qu'on fait. En 3, il y a quoi? Si on touche Tarek Goza, c'est ok. Mais par contre, faudra réussir à donner Argus à ça. Mais en soi, c'est ok de toucher Tarek Goza. Et si on touche. Lui, c'est ok aussi. Je pense que c'est ok d'aller chercher un 3 ici. Oh sa mère. Quoi? Ah ouais. Bien joué de notre part, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que cette game? Maintenant, faut réussir à capitaliser là-dessus. On est très fort pour un T6, mais. Quoi les coquines? En fait, je vois pas de raison pour laquelle Ah on aille à l'envers cette fois. ouais. Ah ouais. Mais attendez, mais c'est exceptionnel ce qui se passe. Ouah, merci Nelem pour les 5 subs offerts. Attendez, mais Putain, je cette game m'attrape est là.
absolument sans sas là. En fait, je vois pas de raison pour laquelle Mage Highlander serait fort. Tu me déconcentres, Odé. Qu'est-ce qu'on doit faire nous ici? Je pense qu'on up, on fait un achat, on revend lui. Oh, ça me régale tellement de le gifler lui par contre. Ah oui, non, là ça. Ah, et encore, il a de la chance, hein. On lui met pas tant que ça. My, my. Est-ce qu'il va avoir le temps de... Ah, faut que lui meure, mais c'est pas du tout sûr. Au moins il a pris le il a pris le pouvoir. Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Mais je suis trop puissant en pull de Noël. C'est exceptionnel ça. Felkane avait raison. Après, on vient de faire un top 8 là. Le petit top 8, il m'a pas mis très très bien. J'avais dit que je vous mettrais un peu de musique moi aussi. Attendez, on va se mettre une petite OST. La classique, mais elle met bien. Vous devez commencer à bien la connaître celle-là. Hop, je la remets au début. Oh! Alors peut-être? Oui! Attends, tout à droite! Non, tout à droite! Ah non, tu t'es trompé! Oh, ça dégoûte! Jamais on a de la chance là! Je suis dégoûté. En vrai, je suis chaud de up, je pense. Après, ça, c'est pas mal. Le fait de booster la Tarek Goza. Si je up, on cherche quoi en vrai? Pas grand-chose. Le baron, oui, mais le baron, c'est la petite touche finale, quoi. J'ai pas besoin du baron à l'instant T. Mais je suis d'accord que oui, un baron peut être intéressant, mais c'est la touche finale, quoi, le baron. C'est une fois qu'on est setup. Y a pas Murloc en plus dans le lobby, ça me régale. Je sais pas si je devais avancer le bras de l'Empire.
Oh quoi? Wait. Il se fout de la gueule de qui lui? Ah, attendez, ça me fait pas rire ça. Ah mais en plus on prend le max. M'a pas régalé lui. Ok, bah on peut clairement pas trop grid du coup. Toujours plus d'Aragus. On donne un bon truc là, s'il te plaît. J'ai un peu peur là. Il m'a pas régalé du tout le macaron. Saleté de macaron. Non, mais en vrai, je pense qu'on est censé être fine, non? J'espère en tout cas. Allez, allez, faut... Oh oui. Let's go. Je réfléchis s'il y a un monde où on a des gemmes là. Est-ce qu'il y a un monde où je veux les mettre là histoire d'avoir tout de suite plus d'attaque sur mon dragon? Je pense que c'est pas inintéressant. Ça vaut pas vraiment le coup de faire ça pour ça. Oh. On a chaté en plus. Ok, on va se positionner comme ceci. On est favorable. Pas se faire scam. Oh oui, oh quel trade de l'héroïne. Ah, oh, c'est pas une héroïne pour rien, elle. Hein.
Allez, allez, la Tarek Goza. Oui. Oui, monsieur. Non, je ne chatte pas. Seigneur du vide, c'est peut-être le seul qui sera utile en réalité. Après, le Bran pour booster ça peut être bien. Ouais. Faudrait un baron, bah ouais, j'aurais bien aimé l'avoir là, mais malheureusement non. Non, mais là, ce qu'il faut qu'on vise, c'est Tarek Gosa doré et héroïne dorée, de toute façon, moi. Je pense que c'est ça qu'il faut viser. J'ai encore assez de shots à ce niveau de taverne et des triples qui peuvent m'amener le baron pour me dire que je dois pas forcément level up pour le dit baron. Je pense. Salut Clémence. Too late pour la 4-4. Ah ça, oui, c'est beaucoup trop tard. On est déjà tour 12, la game. Bah, quand est-ce qu'elle finira, je sais pas. Mais pour moi, elle risque de se finir potentiellement tour 13 ou 14. Donc, yes, ce serait trop tard. C'est magnifique ça. Le bouclier divin cache sur. Au début, j'étais dégoûté, mais dans ces conditions-là, on accepte. Par contre, je suis pas sûr qu'il va réussir à tuer ma créa, mais c'est pas grave de pas avoir les boosts de l'entourlooper. On reçoit beaucoup de boosts du bras de l'Empire. En vrai, j'en suis content. Ouais, il est pas mort pour rien, lui, hein. Il était vraiment éclaté au sol. Oh là là, on s'est régalé hein, la Tarek Gosa elle a pris tellement de boost là. Top 3, mais il reste le macaron et le méchant Neneuil. Que des méchants quoi. Le macaron me fait vraiment peur. Fuck. C'était un tour à vide, ça. Je pense que je dois prendre un peu de risque. Genre comme ceci. Il n'y a pas Mecha, donc dans tous les cas, il n'a pas pu parfaire son Amalgédon. Non, le promo Drake était pas si fou que ça. J'ai pas beaucoup de dragons sur mon. Non, le up pour chercher le baron, le problème c'est que. En fait, j'estime que je cherche déjà assez de cartes parce que je cherche deux héroïnes et une Tarek Gosa. C'est surtout que si je les touche, ça peut me donner un baron. Alors que si je up et que je les touche, derrière, je peux plus avoir ce baron. Ok, faut que je l'attaque first. Oh, ok, ça va, au moins il a pas mal attaqué. Ouais, ça m'est très bien d'avoir fait ce tour de grid. Hein. Il me met très très bien ce tour. Chez le macaron. Allez, les Tarek Gosa. Oui. Dommage. Est-ce qu'on peut battre un pirate qui a l'air d'avoir fait une game quasiment parfaite? Je sais pas, mais en vrai,
La game qu'on fait est déjà tellement exceptionnelle. Ah, j'y crois toujours. Moi, je veux tripler cette Taragoza. Et me dire que ça me donne mon baron si. Si je la touche. Non. Non, ça y est, la RNG nous a quittés, c'est la fin. Je pense que c'est officiellement la fin. Ah, mais il doit être tellement big, lui. J'aurais peut-être pu up et tenter le baron, hein. Je prétends pas que ma façon de raisonner était la plus optime, mais personnellement, je pense que c'était mieux de rester taverne 4, optimiser mes chances de toucher la Taregosa ou des héroïnes, et si je les touchais, à ce moment-là, tenter mon baron sur le triple. Maintenant, c'est ouvert à débat. Ah là, je me vois pas survivre, malheureusement. On va voir, mais tour 14, il a l'air vraiment d'avoir fait la game parfaite, lui. Je pense qu'il doit avoir des monstres, genre des 100-100, et mon board bat pas des 100-100. Ah, en réalité, il a qu'une 100-100. Ok. Il attaque first, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Nous, on a mis une bonne attaque là-bas. Into à nouveau une bonne attaque. Into une bonne couverture. Hey! Nous gagnons! Mais par contre, il va aller chercher des toxis là. Et son scaling est plus. Ah, pas tellement! Il a pas de l'ardeur. C'est vrai que si je up, on peut avoir Baron et la Toxie. Et maintenant, ça coûte que 2. Alors que tout à l'heure, c'était. Ouais, bon. L'argument qu'il y a la Toxie en plus. Je suis d'accord que c'est recevable pour se dire qu'on. Ok. Ok. Je réfléchis à si on fait un truc avant, mais. Est-ce qu'il y a un shot qui joue une ghoul, lui? Je pense pas, j'ai qu'un bouclier. Non, je pense que juste je prends lui et je roll. Je vais le mettre là. Ouais, quoique, non, en fait il est bien là. Le fait de battre tribler Taragoza, ça fait mal, mais on a creusé nos pourcentages là. Il a l'air de. Bah, il a tenté un Amalgédon et ça n'a pas payé. C'est donc un peu la panique pour lui. Oh, fallait tuer ça. Ok. On y croit. Ah, mec, tu m'as pas emmené là pour me trahir en dernière seconde. Donc tripler ça, le baron, l'héroïne, pas mal de possibilités. Une autre sport pourrait également être sympa. D'accord. Je réfléchis si je tente d'enlever ça pour faire ça et ça, mais elle est pas si mal l'héroïne, donc c'est probablement du int. C'est bien que si je touche l'Amalgédon.
Non. C'est pas ce qu'on voulait. En vrai, j'aurais peut-être quand même dû jouer le Bran. I don't know. Ok, toujours 100%. Ah mais en plus là, elle prend les boosts en double, c'est ça? À chaque fois, c'est 8 points d'attaque qu'elle prend grâce à son effet. C'est exceptionnel, ça. Vu qu'elle est dorée, en fait, maintenant, je prends les boosts en double du... des attaques qui vont dedans. Ou alors je suis fou. Ah bah là, de toute façon, j'en prends plus. On a top 1. On a top 1! La maison en briques!